pirates utilisent probablement ce fort comme réfugié. Thank you.
Forcez la allure. Vitesse et débordage. Le capitaine est plus à la barre. Quittez vos postes. Vous connaissez cet endroit, Icarus ? C'est ici que Nicomède a précipité Thésée vers sa mort. Salut à tous ceux qui sont sur le live, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. Bienvenue au temple des Jedi détectives. Alors. J'ai vu l'entrée d'une grotte quelque part là. Ah, j'allais bien.
cinglé. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas trouvé de fort sur aucune des deux îles. C'est qu'il y a un perchoir ici. Salut Galco. J'ai platiné Bloodborne. Ah, il était temps. Ouais, j'avais pas grand chose à acheter hein, au niveau des armes. J'ai vraiment quitté le jeu pour rien. Bon, là, il me reste plus qu'à faire. Oh non. Il me reste plus qu'à refaire. Le choc. Et j'ai ouais. Pas envie. Bah, fais le pas. Ah, j'ai tellement pas envie quoi. Si t'as pas envie, fais le pas. Oh, je vais le faire, mais là pas ce week-end. Je vais plutôt te regarder jouer parce que là y a plus grand jeu qui m'intéresse. J'attends Call of Duty, mais comme par hasard, le jour où Call of Duty sort, on me demande de venir porter des conseils et tout en formation. Putain, même quand j'achète un jeu, je peux pas en profiter quoi. C'est comme par hasard, ils choisissent pile cette date là, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance la bataille crème ici ou pas? Je fais tomber un sucre.
Y a pas de fort sur ces îles. C'est quand même bizarre. Vous t'es pas allé revoir là la porte coincée là, peut-être c'était le Minotaur. Si, mais en fait, je sais pas, bizarrement, en fait, la porte elle s'est ouverte un peu plus. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans la grotte, il y a un truc qui a tapé du pied, enfin en tout cas il y a une secousse qui a cassé un peu plus la porte en fait. Elle s'est entrouverte un peu plus, mais elle s'est pas ouverte encore. En gros, ça veut dire que si tu avances de plus en plus avec peut-être les missions secondaires ou. Je pense que c'est avec la lance. Parce que c'est sur la carte, c'est le même logo que le lieu où tu améliores la lance. Donc je pense qu'il faut améliorer la lance à fond, et quand ta lance elle sera à fond, je pense que le truc il pètera à la porte. D'accord. Bah attends, je vais voir ça un peu sur internet pour voir. Je spoil. C'est... Si, tu peux me spoil. C'est l'île oubliée, c'est grotte de l'île oubliée. Grotte de l'île oubliée, attends. Le jour où ils arrêteront de mettre un marteau-piqueur à la place des machines à café. Il y a un marchand de trucs de bateau, hein. Ah, il y a un fort magnifique. Ah, il y a un labyrinthe. Ah bah oui, forcément, un labyrinthe. Ah, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu l'œil au-dessus de l'entrée. Ah oui, t'as un œil, ouais, au fond, au-dessus de l'entrée. C'est vrai. Alors, c'est un cycle, vous avez vu. Personne n'a trouvé encore. Mais du coup, quelqu'un a trouvé. Je pense que ce sera plus tard. Tu auras bien progressé dans la route. Il semble que la protagoniste est trop là. La compétence nécessaire pour y aller. Ouais, c'est ce qu'elle dit quand tu es devant la porte, mais je pense que moi c'est pas par rapport à l'histoire, c'est par rapport à la lance, je pense. Il faut avancer dans des quêtes avec un poil un point d'exclamation jaune. Par contre, en mémoire, je crois que il est dans les niveau 35. La quête, c'est un gars qui se promène, qui se prend pour un dieu, et le titre de la quête s'en rapproche. Ouais, tu vois, c'est bizarre parce que moi j'ai. Faut avancer dans des quêtes avec un point. Oui, c'est les quêtes secondaires. Mais bon, si tu sais pas où trouver la quête. Si tu sais pas trouver où trouver la quête, t'es pas dans la merde. Donc, et des quêtes, il y en a plus de 200 ou 300. Tes paroles me font mourir. Quête n'est plus disponible. Ah oui, c'est parce que je pense que j'ai passé le temps, c'est pour ça.
c'était pas du tout un fort et ça m'a pas permis de faire la guerre là, putain, faut que je trouve un truc là. Comment on détruit les silos là? Tu peux me dire comment on détruit les silos dans Assassin's Creed, s'il te plaît? Parce que j'arrive pas, je comprends pas comment on les détruit les silos. Ouais. D'ailleurs, arrivé dans une ferme, ce nombre de très vieux silos, j'ai pas eu le temps de faire ça. Tu lances la torche dedans pour mettre le feu. Lancer la torche dedans. Moi j'ai jeté la torche contre le silo, ça fonctionne aussi. Le silo en grain comme dans Far Cry 5, ils ont pris des éléments du gameplay comme ça, ouais, c'est ça. Par moi, quand tu lances une torche, en fait. D'accord, je vais aller voir. Non, c'est d'ailleurs un PX10 alors. Le silo. Lance ta torche dedans, autre, il faut mettre le feu, voilà, t'es un élément de feu. Semelle, lol, le gars quoi. Le cyclope, démarrer une quête secondaire, un dieu parmi les hommes sur l'île de Saint-Citerre. Trouvez le cyclope. Utilisez votre arc pour tirer dans l'œil. Ouais, bah c'est ça. Démarrer la quête secondaire, un dieu parmi des hommes sur l'île de Citerre. Vous le trouverez non loin du point de synchronisation. Le plus au nord, suivez la série de quêtes pour trouver le cyclope. Donc ça doit être ça. L'île de Citerre, c'est ça que tu me dis? L'île. Alors attends. L'île de Citerre, C-Y-T-H-E-R-E. Cerritos, Melos. Ah oui, je l'ai. Elle est 35-39, donc c'est pas tout de suite. Je les ai pas encore. Il faut, donc c'est pas tout de suite. Ouais, toi voilà 35, tu vois, c'est pour ça que toi le type. C'est ici, sur cette île là que tu trouves que ouais. Tu la porte. Non, c'est sur cette île là que j'ai trouvé la porte. Elle est où? C'est une toute petite île. Elle est là. Île oubliée. Ah, mais l'île oubliée, ben voilà. T'en as peut-être deux, peut-être, alors. Mais apparemment, il faut continuer à faire des quêtes, apparemment, avec des quêtes secondaires. D'accord, bon, j'irai sur l'île de Citerre quand j'aurai le niveau. Île 2. Après, ouais, il marque l'île oubliée, mais il a marqué île 2. Oui, île de Tisvi. Je vais taper ça pour voir. Lancer une torche dedans et il faudra qu'il y ait peut-être une ouverture, non? Après, voilà, c'est une torche, mais après, ça se rapproche du feu, quoi. Si t'as peut-être des flashs enflammés ou. Je sais pas. Ah, d'accord, faut les lancer sur les portes en bois. Ok. Je me suis fait chier pour rien, alors c'est pas grave, j'ai l'île. Pourquoi il y a un grand feu là-bas? Elle est où la bataille déjà? Elle est là. Alors, difficile. C'est de la bataille navale ou bataille de conquête? Donc non. Là. Endgame stuff for which
We'll need a high level. C'est un high level en fait. Tous un niveau à peu près 35, peut-être la porte, excusez-moi. C'est acheté sur un site après américain, donc ils sont plus de faits dessus. Et voilà, tu grimpes en level. Après, je pense que t'en as plusieurs, parce que si t'en as un qui est sous l'île que je t'ai dit pour la quête, il y a peut-être une autre alors derrière. Alors, il n'y en a pas un là où tu m'as dit pour la quête, ça se trouve, là, c'est le mec qui va me donner la mission, ça se trouve, qui est sur cette île. Ah, peut-être qu'il va te dire, rends-toi à cette porte là, ouais, peut-être. Ouais. D'accord. Je pense que c'est plutôt ça. Je sais pas ce que t'as dit. En fait, t'as les sites japonais qui font retourner le jeu en moins de 24 heures. T'as vu un peu? C'est pas tout le monde qui a une magnifique licorne comme ça. C'est dommage que tu les prennes en dématérialisé parce que tu vois, t'as des jeux où tu vois, je crois que t'as presque jamais, tu pourrais te faire pas mal de tomber dessus pour pas mal. C'est ce que je me disais en fait avec Dimitri hier. C'est que oui, effectivement, dans l'idéal, ça serait que je les prenne en démat pour faire des échos. Origin, exemple, mais là, je l'ai pris, je l'ai pris parce que en fait, quand tu prenais l'édition collector à 85 euros, tu avais Assassin's Creed 3 Libération offert en plus et le Season Pass, donc si tu veux, bon. Ah ouais. Ça revient au même que si j'avais acheté le jeu et que j'avais acheté après Assassin's Creed 3 et tout en remasterisé, ça m'aurait coûté le même prix. Donc, de toute façon je vais devoir faire des économies hein, si je déménage. Normal, là je l'ai revendu et j'en ai eu pour 30 euros de bon d'achat. Je suis à je sais pas combien je suis de. Je crois que je suis à 60, je peux m'acheter un jeu là gratuitement. 9. Day One, le jeu qui sort pas. Tu vois Red Dead, je pense que je pourrais me l'acheter directement et j'aurai gratuit. Ah, ça dépend de. Mais Red Dead pour l'instant je vais te regarder jouer. S'il me plaît vraiment vraiment, je vais peut-être me le prendre. Bah moi je l'aurai pas tout de suite. Parce que moi je serai pas là. Ah c'est vrai. Ah ouais t'as le Call of aussi peut-être. Moi j'ai le Call of, ouais j'ai acheté le Call of. Compte sur moi. Allez une petite schlag là. Les Spartiates, putain leur armure sont vraiment bien. Par contre Athènes elle a l'air un peu. Ça a l'air léger. Elle est moche là même. Les Spartiates contre les Athéniens. Elle est puissante, la vache. Ouais, mais en même temps, ils sont niveau 23, je suis niveau 27, hein, donc forcément. Attends, je t'entends pas parce que c'est hyper fort. Hein.
Oui. J'aurais pu même le faire en difficile, tu vois, j'aurais dû. C'est vrai qu'ils sont assez casse-pieds les gars aux boucliers quand même. C'est pour ça que je garde la compétence pour retirer les boucliers, parce que sinon ça me pèterait les couilles. Hein. C'est histoire de faire les territoires. En même temps, c'est le problème quand tu progresses beaucoup dans les quêtes secondaires et que du coup, quand tu avances, ça ne te reste plus grand chose. Ah, mais t'es niveau 27, bon ça va, t'es bientôt niveau 35 pour faire un cycle ici. Ouais. Je vais aller. Est-ce que je fais les quêtes secondaires ou pas? Je sais pas. Vas-y, je suis pas loin de celle-là, je vais y aller. Le coup de pied que tu lui as mis quoi. Grave, il a volé. Le pauvre. Tu n'as rien qui t'en fait. Je vais montrer qui était le maître ici. C'est dommage, moi je voulais avoir Pégase. Mais Pégase. Ouais, mais le problème c'est que Pégase tu peux pas l'avoir dans le jeu, faut l'acheter. Ça me fait chier. Ah, sérieux? Ouais, faut l'acheter. Il coûte 7€. Hein. Ah, ouais, ils auraient pu l'offrir dans le Season Pass, Pégase quand même. Synchronisos, putain de lieu.
ici, d'accord. Temple d'Artémis. Garde un minimum d'éléments de gameplay quand même. Et donc, mon point pour me rendre sur la quête secondaire. Ah là, pardon. Oh, c'est pour ça que je vais mille platiner si là. Tu es riche. Quel prix j'aime pas ce système. Je vais voir mon esclave. Si je tue ce vase, je parler du vase volé à l'esclave. Ouais. Ton maître dit que tu sais peut-être quelque chose. Mais j'ai une chose. Je n'aime même pas me poser des conditions. Je comprends. Mais ce que j'ai à te demander. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'espère t'avoir reproduit le vase. Tu diras à mon maître. Pourquoi veux-tu que je fasse ça? Mon maître peut m'accorder la majorité à le sensibilité. J'espère que ce moment par partie de vol, je pourrais me guérir de mon maître lorsque je suis sorti. Il veut. Le maître, il veut rendre la liberté des slaves, il veut pas lui. Des bandits et contre fort nord, tu m'es maudit. Attaque et pille. Je vais trouver ces souviens-toi de ce. D'accord. Les bandits sont sur les contreforts nord du monde entier. Un esclave qui veut pas être libre. La mine. Si cet esclave a raison, je devrais trouver le vase. Ah d'accord, on m'a vu alors que je suis en hauteur. Là c'est dans cet Assassin's Creed, par contre je trouve ça vraiment très... Les autres qui étaient en hauteur, on ne voyait pas, c'était...
dangereux qui va là. Je sais que tu es bien. Autant pas. Ouais, pour mon navire. Ah, c'est des prisonniers ou c'est... Non, c'est des ça peut être des gardes, ça peut être des soldats, ça peut être... Faut que je les assomme en fait. Bonjour Valentin. Oui. T'es descendu me manger? Non, mais tu vas petit déjeuner quand même. Enfin, en tout cas, tu attaques pas dès la ta matinée, dès le jeu vidéo, quoi. Morveux. Pas encore, c'est trop tôt. J'y vais pour avril, donc j'irai passer une semaine ou deux quand j'irai faire mes entretiens d'embauche. Je ferai ma recherche de logement en même temps. Toute cette histoire pour un vieux assassin. Ouais, mais t'as vu sans radin sur les trésors. 5, ouais, 5 petites pièces, après l'armure, c'est normal, c'est pas trop. Ouais, c'était léger. Ça te rapporte de vie, c'était déjà à la moitié. C'est pas mal. Oui, voilà, ça, c'est que ça m'apporte de l'XP, c'est surtout ça. Hein. Palette de couleurs contrastées, tout ça, à 700 euros. Mais le clair a été gris, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est quand même un peu cher. Quand tu vois les prix, quand tu vois les prix, je marque 4K par exemple, 4K Ultra HD, 1800 euros. 2290 chez Darty, un LG OLED. Ah putain, mais il y a une dernière, mais il y a la pointe que j'ai pas faite là. Tu sais que c'est connerie, Romain. Bah alors. Oh, café froid, c'est dégueulasse. On dit que des puissantes créatures légendaires vivent dans les endroits reculés. À mon avis, j'ai pas encore accès. Ou alors, si, est-ce que tu peux me dire où exactement? Attends,
Si, il doit y avoir quand même des bêtes qui sont bas niveau. Ça, ils sont pas tous au niveau 50, sinon t'en finis plus, quoi. Putain, j'ai déjà dépassé ça. Héritage familial, c'est ça que tu me dis? Héritage familial. Je la trouve où la quête? Celle-ci vous offrira une quête à ce moment à le sphinx est le premier monstre mythologique auquel vous aurez affaire pour l'histoire principale de Cassandra Alexion lors de l'épisode 7. Vous observerez une quête secondaire intitulée Héritage familial. Secours Squall. Dara. L'île de Dara, ça s'appelle. L'île de Daras. Ah oui, non, connaissance de votre père, donc ça doit être le vrai père, ça doit pas être le beau-père. C'est d'accord, alors c'est que oui, j'y suis pas encore. Et le Minotaure, il est sur l'île la plus sud-est, il faudra débuter la quête Mythe et Minotaure. Ouais, c'est des quêtes qui. Ah oui, mais d'accord, mais ça. 28, 32, 33, donc c'est pas tout de suite, ça devrait pas tarder. Ah oui, dans le dédale. Après plusieurs quêtes secondaires, vous serez amené à pénétrer dans le dédale pour tuer le. D'accord, bon, ça on y est. On y ira après. À l'extrême nord-est, vous devrez compléter une série de quêtes secondaires sur Lesbos. Ah oui, Lesbos, ouais, c'est la fin, Lesbos. D'accord. Et après j'ai une carte directement où il y a tous les boss en fait, tous les boss secondaires. Ouais, j'en regarderai l'occasion. Ça a l'air grave. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai soif. D'habitude, c'est mon mari qui me sert, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je suis Mystios. Je n'attrape pas le bain. Attends. Tu dois voir comme un trou pour ne pas avoir remarqué l'absence. Oui, oui. Entre nous, après quelques coups, mon mari doit sûrement avoir des ennemis. La dague. Dès qu'on a de l'argent qui plaît, ces amis de la dalle viennent ici quand l'envie leur en prend, en inventant des impôts et en battant mon mari s'il ne les paie pas. Ne t'en fais pas. Merci. À ton avis, il essaie de tu as parlé de non, tu as dit la dalle. Comme s'il s'agissait. Oh, ce sont des hommes. J'en ai assez. Merci. Suivant la route vers l'est, je devrais pouvoir suivre les traces du marin.
chariot du marin. On dirait qu'il a tenté d'échapper à une patrouille en armes. Ça s'est mal terminé. Oh, 500 mètres. Le fort d'Isistos. Il est grand. Le marais pourrait être important. Il est enfermé. Le nombre de mecs au mètre carré, faut pas déconner. Ouais, je vais essayer, mais la première chose à faire, de toute façon, quand tu fais un fort, c'est de détruire le feu pour éviter qu'ils appellent les renforts. Comme ça, si je me vautre, j'aurai pas plus d'ennemis sur le dos. Cet endroit sans son air. Du coup, les silos de grains, t'as pu les faire ? Moi, j'avais besoin que d'en faire qu'un pour prendre le contrôle du truc, donc je me suis pas fait chier à tous les faire.
Mais bordel, descend abruti, il est con ce perso des fois. Ouais, c'est un truc de fou ça. Puis l'autre il part sans moi. Ça, comment il cavale, je peux même pas le rattraper. Ouais, c'est bon, mon gars, tu vas pouvoir la baiser ta femme. Hein. Attends deux secondes, hein, j'arrive. Eh bien, tu l'as rencontré alors. Ta femme, là, c'est qualité. La dague, toujours plus. Je ne sais pas ça, c'est ma femme, pas bien, ça, je suis ruiné. Tu sais qu'elle m'aime, mais je préfère faire ceci dit, tu mérites une réponse. Je garde les queues pour le 4 de Jean-Jean Zumbrot, si tu es derrière une cascade. Prends ce que tu estimes avoir mérité, mais laisse-en. Je ferais bien d'aller chercher mon bras dans la cage de Marie, dans la grotte des Drakes. En fait, là, au niveau de l'histoire, même avec les. C'est plus une simulation, là. T'incarnes vraiment un personnage. Si, si, il y a la simulation. D'accord. Il y a une simulation, mais c'est plus les mêmes persos, c'est une historienne, bah, c'est comme le, c'est la même qu'Origins en fait. Alors. Ne serait-ce pas les grottes de Caractaractes, mais si. Ah voilà, c'était pas bien compliqué. J'ai rien laissé, par contre j'ai tout chouré. Tant pis pour lui. Il ne va pas se faire prendre. Et ben je vais aller tout droit à la pointe d'Artémission. Oula, c'est quoi ce nom chelou là? C'est chiant qu'il n'y ait pas de mini-carte par contre, je trouve ça dommage. C'est une obligé d'ouvrir la carte. Ouais. Ah c'est chiant quoi. Tu fais Canada?
Oula. Le cerf, t'as vu, c'est mon aigle qui l'a tapé. Ah d'accord. Des fois il tape des trucs pour bouffer en fait. Il avait sûrement faim. Bon du coup cette zone là tu vas la découvrir parce que je vois qu'elle est un peu brisée. Ouais. Quand elle est un peu marronnée, ça veut dire qu'elle est pas découverte. J'ai déjà délivré le monde, donc s'il n'y a pas de quête secondaire, je vais juste prendre le point avec mon aigle. J'en sais rien et je m'en fous, ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, ah, j'ai une quête secondaire qui est là. D'accord, ah oui, t'en as que 4, ok. Ça marche. Change-moi ta photo de profil, Clément, oh là là. Bah, celle que t'as sur Facebook, là. Fais-en une dans les minutes qui viennent, là, où t'es en valeur. Tu choperas plus facilement de la meuf. Elle date, cette photo, je t'ai toujours connu avec cette photo, et ça fait des années qu'on se connaît. À poil devant le miroir et voilà quoi. C'est pas grave, ça va te donner un peu de maturité. Tu m'as pas vu hein. Direct mon genou je sors pas. Dis-moi où je trouve ça. Que peux-tu me dire ?
dague. Je vais trouver ça. Ah, à mon avis, c'est un adepte qui gère ça. Le terrain dans ton cours. Moche. L'entrepôt. Ouais, j'y étais tout à l'heure, mais c'est con ça. Le quai est en train de se débattre, il est fermé depuis tout à l'heure celui-là. Je crois que très longtemps, ça fera peut-être un peu plus passer le lumière. Ça fera peut-être un peu plus. Là, quand je prends les photos, là, je suis en mode chinois là. Chinoisé avec les yeux bridés, quoi. Ou à moitié défoncé, j'ai l'impression que j'ai fumé 10 pétards. Ouais, maintenant, reste à faire des recherches. Transaction de levée dans les 6 derniers mois. Ouais, c'est mettre celle-là. Peut-être ton idée de voir qui dirige la dalle. Ça va être vraiment. Je regardais juste depuis quand même date cette photo là, celle que j'ai depuis tout à l'heure. Ceci aidera peut-être à garder aux yeux identifiés qui cherchaient la dalle. Date de 2014, mais putain, c'est 4 ans. Des nouveaux bateaux avec des lieux faits à prestage. Ça pourrait intéresser à Gus. Elle est pas mieux, elle a pas plus de lumière celle-là. C'est le casque, je te fais. Voilà, j'ai changé de photo. J'aurais été content. C'était dur. Ça a été dur d'échanger de photos, tu te fous pas de ma gueule là? Même pas. J'ai compliqué d'en trouver une où je vais pas dire je m'apprécie, mais deux peps. Oh bah t'es largement mieux là sur cette photo Clément, qu'est-ce que tu me racontes? Ah bah oui, bah là j'ai ouvert les volets là, mais c'est la barbe. Oh t'es beau gosse en plus, t'es largement mieux que sur l'ancienne photo. Et tu vas oser me dire que tu trouves personne? J'avais mis en fait, sur la photo que j'ai mis en fait c'est juste après mon accident de scooter. Enfin, j'ai la marque au niveau du cou, j'avais plusieurs coupures au niveau du menton, j'avais le pif complètement gonflé à cause de l'hématome. En fait, là, le nez, il était rempli de sang, en fait, séché. Et j'avais la lèvre un peu ouverte. Ah voilà, mais quelle idée de foutre une photo comme ça aussi. Rache, c'est bien. C'est mon malheur. Et j'avais, je crois que j'avais mon pansement. Je suis pas sûr, mais je crois que j'avais un pansement. À moins que je l'ai plus, là. Non, j'étais cousu, en fait. J'avais mon point de... Comment ça s'appelle ? J'avais mon point de suture sur le fond. C'est ça, tu ne voilà. Y attendais pas en me voyant maître et le magistrat local. Je préfère vraiment mourir de l'espoir. Personne ne choisit de devenir esclave. Mais ceci, cela t'intéresse de découvrir. Je vais y réfléchir. Déjà
coup, il y en a 4. Enfin, après, s'il y a les DLC qui vont sortir. Il y a un DLC, oui, va... oui, il y a un DLC autour de l'Atlantide et un DLC. Ah, l'Atlantide, ça c'est un sujet qui est pas assez abordé, je trouve, dans les jeux vidéo, tu vois. Et l'autre, je sais plus, autour des premières lames des assassins, un truc comme ça. Ça dans une grande ville, tu vois, je sais pas, New York, un truc où t'as plus de relief, quoi, je sais pas, peut-être pas New York, mais peut-être Moscou, tu vois, parce que Moscou t'as aussi plein de trucs, bon, les Russes seraient pas fans, je pense, de l'idée, mais... Mais Valentin, est-ce que je discute avec toi, là? Non, mais alors merci. Lorsqu'on connaîtra le vrai nom du marin pêcheur, il faudra le faire juger. La dague. Il y a dans notre enfance, quand nous jouions, tu étais le rouge corps, et le marin pêcheur était mon frère. Je t'en prie, dis-moi que tu n'es pas là le jeu. Dis-moi. Tu connais ton frère mieux que ses archives. Si tu penses qu'il n'est pas sa marque pêcheur. Ton frère n'est pas né sous le... Non, Néritos, c'est une turbulence. Il est impératif pour le salut de l'humain d'empêcher la dague. Je remercie. Oui, oui. Je t'entends, Mistios, aide-moi à déclarer l'identité du marque pêcheur. Nous pouvons vous discuter, mon frère, et réfléchir à la table. Les corps du magistrat sont bien remplis. J'ai l'impression qu'ils sont tous. Quelqu'un s'en sort de l'île. Je connais un guerrier qui a eu un membre principal de la table. Je vais lui rendre. Il y a une épave sur la côte sud de l'épée. J'en sais assez pour aller. Ce ne sera pas le cas. Reviens quand on saura le plus. En quoi je me suis embarqué, mais je me suis embarqué. Alors. Et l'onglet quête, je pensais que c'est une petite quête secondaire, mais en fait, pas du tout. Voilà, Agapios. Oh la vache, il y en a 3. Bon, on va aller là. Ouais, c'est les membres du culte à détruire, mais ils sont assez haut niveau. Alors il y en a de tous les niveaux, hein, les membres du culte, mais... Tu vois, par contre, j'aime pas trop cette île là. Il y a trop de vallonnage, du coup le cheval il sert à rien. Je passe mon temps à courir. D'accord, je vais même. Un homme de la Dada est venu nous voir un jour pour l'aider à l'attendre. Nous ne sommes pas liés à la Dada. Mais nous avons. Il voulait que les enfants et nous-mêmes répandions le message de la Dada.
pensé un peu à The Witcher. Il se sert. Oui, et maintenant il veut qu'on fasse. Il a arrêté de nous payer. On ne peut pas tuer les gens comme ça. Ça ne nous ressemble pas. Il a mis la grande demeure au sens de la vie. Tu entends ce que tu te vas lui parler. Nous ne sommes pas des jeux de badonnerie. Je vais m'occuper. Tu as besoin d'autre chose. Mais la lave, il fera grand même. L'homme de la dague qui menace la coupe du théâtre. Mieux vaut éviter de se faire voir. C'est la grande maison dont ils ont parlé. Mystios, qu'est-ce Je veux seulement te parler. C'est le coup du théâtre, t'envoies. Je l'aurais déjà dit. Sinon quoi, quoi. Ce serait dommage, je suis prêt à tout. Garde! Non, mais t'es con, toi. Ah, tant pis, hein, pauvre femme, t'avais qu'à pas faire en sorte que ton mari menace les gamins. Dégage. Ce n'était qu'un homme qui cherchait à veiller sur le ciel. Dommage. Oh, il a tué les deux l'enfant. Bah tant pis. De toute façon, comme ça, ils étaient réunis dans l'amour. Non, mais je pensais que j'allais pouvoir sauver les deux en disant, mais bon, tant pis. Bon, c'est pas grave, au moins ils sont réunis dans l'amour. Voilà, c'est ça. Je ne laisse pas faire malheureux de côté parents. Je vais parler de ce qui dit au sac. Et je vais vous venger. Je n'ai pas encore compris tous les contacts avec Avios. Oups, un chasseur de primes. Ah ben. Allez, viens, mon gros. Ah,
Ouais, mais ouais, allez, on... Oh, il s'est redonné de la vie, cette chienne. Oh, lui, il est 29. Oh, il me fait mal, par contre. Oh, il a évité mon attaque. Bâtard. Des trucs de niveau 29, c'est bien ça. Il m'a ramené ouais, quelques trucs. Ok. Autre quête du coup. Autre quête. Qu'est-ce qu'on a à faire pour l'autre? Il t'a des quêtes de niveau 50. Mètres. Tu peux arrêter de gesticuler, c'est chiant. Eh ben, trouve un moyen de te mettre ou mets-toi sur une chaise si tu tiens pas en place. Mets-toi sur le canapé là avec ta grand-mère. Ben non, justement, il tient pas dessus. Correct. Tu as dit qu'il fit merci. Non, je suis venu te parler. Écoute, je suis venu te dire que je vaut mieux que tu imites. Non, je vais mettre fin à tout cela une bonne fois. Je n'ai pas encore rencontré les contacts à la Gavios. Agapios, on se souvient surtout du goût. Ah ouais, d'accord, je me dis, il fait gris, mais ok, je comprends.
600. 600 mètres, il se fout pas de ma gueule, lui. Même pas un petit voyage rapide. Et ben non. Oh putain de ta mère. Ah si. Maintenant je suis là. Ouais, ça change rien. Sa mère. Bah là j'étais sur l'île, donc j'ai fini les 4 secondaires de l'île, après j'allais sur la toute petite île à côté là, qui est toute petite, pour faire... j'ai check déjà, j'ai check, mais il faut que je monte en niveau. Ah ils sont pas faciles. Attends, la semaine prochaine avec le truc de Call of Duty, tu vois, Fortnite, il va, ça va lui faire un petit peu mal. Le New Game Plus, ils ont fait le New Game Plus, God of War. Tu parles du dernier, hein, God of War. Ouais, le dernier, ouais. Ouais, ils ont fait un New Game Plus, là, il y a un mois. De quoi ? Ah, moi il me tente pas du tout, je trouve que ça va être une grosse caricature de merde à Spider-Man.
ou maintenant c'est bien aussi. Qu'ils viennent te chercher comme ça on a un peu la paix. Hein, c'est bien. Oui, c'est bien. T'as quand même une famille, on est quand même le week-end, ils foutent rien quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter. Tu manges ici, bah oui. Hein, tu peux nous faire chier jusqu'au bout. Ça y est, t'as bien pleuré auprès de maman parce qu'il faut que tu manges ici. Comment t'as deviné? Je mange ici, mais je reste l'après-midi. Enfin, je sais pas quand vous avez. Oui. Ça doit être ce que je cherchais. Ah, bah oui. S'ils peuvent être tranquilles. C'est chiant qu'il n'y ait pas de grosses bêtes des mers par contre là qui viennent attaquer ton bateau comme le kraken tout ça. C'est vrai que dans la mythologie là, les trucs mythologiques ne vont pas parler. Il n'y a pas de grosses bêtes des mers, si il y a la bête de Poséidon. Mais je crois qu'elle est sur Terre si je me rappelle mieux. Tu seras agréable de vivre dans la peur. Mais je suis esclave. Agathos le saura quand je lui montrerai sa vie. Je n'ai nulle part à voir. C'est casse-pied. Tiens, c'est ça. Merci, Mimitio. Je ne m'irai jamais. Je n'ai pas encore rencontré tous les contacts d'Agathos. C'était la dernière décision d'Agathos. Mieux vaut aller les lire, j'ai géré. Mais ça ne va pas me plaire. Gapios in the fire. De qui, de quoi, de où, de comment, de caisse. Ouais, encore un remake d'ailleurs de film, ouais, la pourrie. Ouais. Ça me fait chier avec leur reboot de merde. Je vois la bande annonce, ça a l'air tellement genre américanisé. Non, mais il a l'air cucu surtout. Ouais. De Predator. Tu sens que c'est américanisé.
pas ça que je voulais. Je savais bien que je voulais un truc. Ah, c'est... Nicandros le Ripailleur. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a mercredi? J'en veux plus. Kilomètres, 2000 mètres, putain. Où est-ce qu'il va lui? Non, si c'est 2000 mètres, à mon avis, il y a un accès bateau quelque part, mais. Putain, même les prises, putain, elles sont tellement merdiques chez moi, ouais, elles sont en train de se détacher du mur. Ouais, parfait, il y a un accès, regarde, c'est magnifique ça. Ouais, c'est toujours comme ça, faut que tu relances. Tu étais chercher du pain? Clément, tu vas être mon mec. Non, détends-toi quand même. Hein. T'es plus mignon que moi, mais quand même.
Non, c'était pour avoir un appart quand je descends. Moi, je pouvais vivre avec toi. C'était, non, mais y a de la place, hein, pour toi, hein. C'était pour une question... Ben, 50 mètres carrés, je te laisse le lit. Bon, tu parles. Non, je plaisante. Je vais dormir sur la table. Non mais je plaisante, tu sais. Non mais l'idée c'est que quand j'arrive j'en ai déjà un. Hein. Quand j'habitais à Paris, je fermais jamais mon appart à clé. Hein. Non, c'est j'étais au 8e étage et du coup j'étais entouré d'appart. De gens qui travaillaient pour le logement, donc si tu veux. Je voyais mal les gens monter 8 étages sans ascenseur pour aller me voler. Ah ouais, bon, il y a ça aussi. Les gars, ils sont déjà. Ah oui, il n'y avait pas d'ascenseur pour les 8 étages. Non, bah non, ouais, c'est à Paris, Paris, si tu veux. Non, il n'y avait pas d'ascenseur. Si tu veux payer un appart pas cher, faut déjà qu'il n'y ait pas d'ascenseur dans le logement. Comme ça, tu sais que le prix est réduit. Ouais, non, mais là non. Et puis ça me coûtait cher. J'habitais dans un 12 mètres carrés et il me coûtait 560 euros par mois. Ouais. Oui, ça c'est pas un problème. Regarde autour de toi, Gargios. Skiro, quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que je devais faire peu importe ce que j'ai dit.
Ne lui fais pas confiance à lui. Ce n'est pas celui dont tu te souviens. J'ai toujours préféré les Martins. Tu n'as pas le droit d'employer ce nom. Il appartenait à mon frère. Il est... Tu n'as personne, et moi. J'ai été emporté par la mer. Mais c'est réussi à j'ai réussi à triompher des eaux. J'ai été plus fort que tout. Mais en réalité, c'est toi alors je me suis créé une famille. Mais c'est sûr. Non, vous désirez peut-être les connaître. Par ici. C'est ton dernier jour dans le monde. La dague doit disparaître. Viens. Non, c'est moi. C'est ta nouvelle sonnerie pour les messages et tout ça. C'est ça. Putain. Et du coup, le lapin il va bien aussi ou... Oui. Non, ça va, tu sais. Il mange toujours, il chie toujours. Ah, j'espère qu'il va bientôt classer parce que je peux pas l'emmener avec moi dans le sud au mois d'avril. Ah, je crois que c'est bon pour les quêtes secondaires sur cette île. Ah, parfait. Passons à l'autre île, du coup. Celle d'à côté, là. Non, celle du dessus, on a dit. On va faire ça. Je vais me rendre sur l'autre île, puis je vais aller bouffer. Coupe ton micro, je t'entends pas, l'alco. Je disais que en fait, je me casse la tête à me faire manger, alors que toi, un sandwich, tout simplement, à faire, c'est très bien comme ça. Faire un sandwich. Ce que je vais me faire, je pense. $260. Ah oui, non, ça je me disais, c'est... Et 260€ ? Ça je m'en fous, c'est pas grave. Chambre 9 mètres carrés, salle de bain 5 mètres carrés avec toilette séparée.
Tiens, c'est pas cher, hein. Je suis dégoûté de pas venir aussitôt, tiens, du coup. Quoi, sur Agen même, mais ça me paraît bizarre, ça me paraît pas cher du tout. Ouais, mais tiens, j'ai pas les sous, sinon tu vois, je serais venu plus tôt, mais... Si, 350, c'est bien. Le plus, t'as une cheminée. Bon, elle est pas fonctionnelle, mais c'est une cheminée décorative. Ce genre, rien à foutre. Alors, WC séparé, 1 mètre carré. L'entrée, la salle de bain, 2 mètres carrés, cuisine. WC séparé du séjour. Cuisine, 12 mètres carrés, séjour. Moins vite! Mais je pense que en janvier-février il y aura, parce que du coup janvier-février c'est les périodes d'hiver, donc du coup les gens généralement ils... entre janvier et avril il y a moyen de trouver des trucs sympas. Bon ben après c'est une région où on trouve, voilà, je m'en fous, tu vois, si, même si c'est à 15-20 bornes de... Là je peux pas, sinon tu penses, sinon 260 balles pour Agen, j'aurais pris direct. Hein. Ouais, je pense pas, hein. Pour le prix, je pense que tes charges elles sont pas comprises. Allez, je vais aller manger, je reviens après. Bon, là, le coup à toutes. Le coup.